des super affaires, je suis trop contente. Mais une lampe à pétrole, mec, mais le Graal. Ça fait tellement longtemps que j'en voulais une. C'est so vintage. Non. Le Graal, c'est ça. Elle est déjà propre, en fait, hein. T'écoute pas. Elle est méchante. Putain, putain, mais rallume! Mourir. Je t'avais pas voulu racheter ce putain de jeu! Fais quelque chose, Nathalie! Calme-toi, ok? Je cherche mon téléphone. On va mourir. Je veux maman! Je ne vois pas le noir. Le noir n'existe pas. Chris, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, calme-toi. Elle est où ta putain de lampe à huile, là? À pétrole. Et clairement, pour que je la trouve plus rapidement. Oh putain, je l'aime d'amour, ce jeu. Regarde, c'est tout notre enfance. Là, Putain, mais tu lui as brisé la nuque? Comment t'as fait? Mais c'est même pas moi! Genre, on n'est même pas censé être là, c'est le moment du jeu. Bon, attends, bouge pas, je regarde sur internet. Alors, ça dit quoi? On fait quoi? Oui, attends. La légende dit que pour briser la malédiction, il faut brûler la cartouche. Je viens de tomber sur un truc. Tu connais les creepypastas? Les légendes urbaines sur internet, là. Oui. Il y en a une sur ce jeu, c'est juste génial. Mais ça raconte quoi? Alors? Mais attends 2 minutes, c'est hyper long. Continue à jouer pour voir si ça bug. Mais non! Mais ça fait peur, putain! Non mais sérieusement, Chris, c'est juste un jeu qui bug. Les creepypastas, c'est juste des histoires 2.0 pour effrayer les geeks. Je suis un geek. Joue. Alors en fait, un étudiant retrouvait une cartouche de ce jeu dans un vide grenier. Une cartouche hantée par l'esprit d'un enfant mort. Not. Et l'étudiant aurait continué à jouer au jeu et aurait constaté en fait plein de bugs, genre des dialogues incohérents, des personnages qui fixent Not. Le joueur. Quoi? Skulky n'est pas censé être là. Vas-y, approche-toi de lui pour voir. Toi, fais. Férisette. Férisette. C'est ce que je fais. Férisette! Je le donne date. Non mais t'es sérieuse? Mais ma Nintendo! Putain, mais tu fais vraiment chier! Mais je suis désolée, je pensais pas que t'allais vraiment foutre le feu! Oh putain, mais c'est marrant! Oui. Oh mais super! Putain de... Bon, vas-y, t'as fait comment pour le trafiquer le jeu? Ah non mais j'ai rien trafiqué en fait, hein. Je voulais juste te faire flipper en éteignant les lumières. Et brûler la cartouche, ça servait à rien. Ça fait qu'enfermer l'enfant dans le jeu pour toujours.